Le Sequoia Lodge est l'un des trois hôtels situés autour du lac. Lac qui s'appelait un temps Buena Vista et qui est devenu le lac Disney. Calme et quiétude, cet hôtel reprend l'atmosphère qu'on peut trouver dans les parcs nationaux américains. Le Sequoia Lodge, le seul hôtel du parc dû à un Français, Antoine Grimbard. Ça dépend, c'est selon où tu veux. Donc, 1011 chambres, vous avez également deux restaurants, Beaver's Creek et Hunter's Grill. Voici d'authentiques coiffes amérindiennes datant du 19e siècle. Près de la réception, un bar vous attend également. Je vous recommande de venir l'hiver quand la cheminée est allumée. Dépaysement garanti. D'un point de vue architectural, l'hôtel rend également hommage aux travaux de Frank Lloyd Wright, les frères Green, ainsi que les Prairie House. Les matériaux utilisés sont la vraie pierre, le bois, le cuivre, des matériaux naturels.
Lorsque vous allez à la réception, faites attention aux tables qui se trouvent derrière vous. Vous verrez des pièces authentiques. De superbes terrasses spacieuses vous attendent également, qu'elles soient ensoleillées ou à l'ombre. Il y a des aires de jeu pour les enfants, mais les plus grandes ne sont pas oubliées, notamment avec deux billards, deux baby-foot. Renseignez-vous à la réception, vous pouvez faire des photos avec des personnages. Tendez également l'oreille, par moments vous pouvez entendre des oiseaux, notamment à l'approche des vitrines du magasin. Comme chaque hôtel, il y a une boutique. Ici c'est le Northwest Passage. Voici le petit temple de l'amour. Antoine Grimbard, l'architecte, dans toutes ses créations d'une certaine ampleur, comme le Sequoia Lodge, pose un petit temple de l'amour. Voilà, c'est sa signature.
De gros castors ont élu domicile, ils ont même construit un joli barrage. Une salle de sport, un sauna, un hammam et une piscine vous attendent. La piscine, très intéressant, une partie extérieure. Thank you.
Promenade en écoutant du piano, en écoutant les oiseaux. L'endroit est juste magnifique. Quarante mille mètres carrés d'arbres de taille adulte furent plantés tout autour de l'hôtel.